What's up bande de gens, ici Caral. Comme vous le savez, au travail comme au bureau comme à l'école, le premier jour est toujours le plus stressant. Et en particulier quand il se passe comme ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir d'avoir été acceptée ici. En envoyant mon CV, j'étais vraiment pas sûre du résultat. Mais tout le plaisir est pour nous. Si vous le voulez bien, procédons à la visite des locaux. Ici, c'est le lieu de travail principal. C'est là que vous passerez le plus clair de votre temps. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, ça c'est rien. Ça arrive fréquemment au bout de quelques mois passés ici. C'est rien, c'est pas grave. Vous vous habituerez très vite. La suite de la visite? Par ici? Suivez-moi, je vous prie. 5 minutes pour se tuer au travail, le jeu macabre pour les dépressifs du travail, c'est maintenant. Non, attendez. Juste attendez. Je préfère le préciser parce qu'on sait jamais. Ce n'est qu'un jeu. C'est juste un jeu. Il n'a rien à voir avec une quelconque réalité. On est parti! C'est bon. Ceci étant dit, la première chose à faire, c'est de se vêtir pour aller au travail. On peut pas y aller tout nu, c'est indécent. Même si tes petits tétés sont sexy, non. Alors on va te mettre une vieille chemise un peu moisie, bleu, jaune, et puis de toute façon, on n'a pas le choix, tu portes le même pantalon toute la semaine, t'es un gros dégueulasse. Parfait pour un premier jour de travail. On est parti. Nous sommes avec Philippe aujourd'hui, très exceptionnellement, qui va nous faire visiter son lieu de travail. Bonjour Philippe. Bonjour. Très bien, donc Philippe travaille dans une piscine municipale, hein, pourquoi pas. Non, c'est un aquarium, il y a des raies, il y a des raies, on marche sur l'eau, nous sommes Moïse, très bien, tout va bien, c'est normal. Parfait, Moïse est donc maître nageur, tout habillé. Je savais que j'aurais dû dire un poil. Je ne sais pas du tout par quoi commencer, il y a tellement de choix, on peut tellement se bousiller la tronche. Tenez, ceci, qu'est-ce que c'est? Classique, mais efficace. Petite paire de ciseaux des familles, bonjour, on aime ça. Ne pas entrer. Est-ce qu'un panneau m'a déjà arrêté? Non, on y va quand même, on s'en fout. On s'est fait attaquer par des fouines. Et les fouines flottent aussi au-dessus de l'eau, c'est normal, ce sont des fouines divines. On prend le poisson, on peut l'additionner avec la piscine pour en faire un effet particulier. Pour se faire, pourquoi pas, bousiller par un requin. Ça fait mal de vivre sans toi. Des bureaux. Ouais, d'accord, des bureaux. Je me disais aussi qu'on ne pouvait pas être maître nageur. On n'en avait pas l'allure. Et ça part sur une visite de mon lieu de travail. Tout d'abord, on a Christine, la secrétaire neuneu qu'on connaît tous. Waouh. Ah ouais, on est sur de la bonne grosse... Une fausse blonde qui plus est, on voit encore tes racines. Elle? Bah elle, c'est Margot. Elle connaît tous les ragots. Si c'est pas la nouvelle, Audrey s'est fait refaire les seins. Ouais, j'avoue. Dégagez, je dois aller mourir. Vite, il faut me tuer. Voilà, une attaque de poubelle, tout le monde sait que c'est efficace. Méfiez-vous des poubelles, tapis dans l'obscurité. Trash attaque, maintenant au cinéma. Une agrafeuse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me veut? Qui t'es toi? Pourquoi tu m'interromps? Salut. Comment tu vas? Je voulais savoir, voudrais-tu rejoindre ma team de balletball? C'est comme le hockey, sauf que ça se pratique avec un balai et pas de patin, mais avec ses pieds. C'est cool, hein? Oh, c'est cool. Dis que c'est cool. Non. Oh, regarde, tu m'as mis en retard! Oh là là! Faut que je me zigouille la tronche avant 20 secondes, ça va être compliqué. Moi, je sens que l'histoire là, elle est pas très nette. Hein. Agrafe! Ciseaux! Agrafe! Ouais, c'est plus possible, 6 secondes pour faire plus de la moitié de ma vie. C'est un fail! C'est un bon gros fail! Oh, quel dommage! Philippe est obligé de travailler pour gagner un salaire, payer son loyer, son électricité. Il est obligé de participer à des conférences nul à chier. Philippe, le retour. Philippe travaille à la bibliothèque et il y a des... Oh non, c'est des têtes empaillées, mais c'est dégueulasse. Des pandas. Mais les gars, c'est en voie d'extinction. Okay, pourquoi tu chasses le panda? On va cliquer dessus. Ah d'accord. Il y a des humains, ça va, c'est bon, j'ai rien dit. Et voici mon plus beau trophée. J'ai acquis cette pièce au terme d'une chasse des plus éreintantes. Bon. Chambre de ravitaillement. Bonjour, j'ai besoin de... Ouais, c'était exactement ça, merci. Ok, tant mieux, très bien. Ah, on se répète un petit peu là. La tronçonneuse, on l'a déjà vue. Je me casse. Une clé, elle va ouvrir sûrement quelque chose comme ce petit cerf-volant, par exemple. Ça s'appelle la justice divine, mes aïeux. On l'a senti passer. Et on en est toujours pas mort. Tiens, nain de jardin. J'aime bien les nains de jardin. Ah, ça, c'est André. Il a fait ses heures supplémentaires. On veut mourir, mais il y a quand même des limites à la connerie. Hein. Ah, d'accord. Ok. Oh, on a fait un ange de cendre sur les panneaux solaires. Ah, c'est sympathique. On recommence. C'est génial. On recommence. Ah ben non. Mais non, tout est bien. Ça y est, nous l'avons fait.
Nous avons réussi à nous donner la mort au travail. Ça y est, je l'ai fait. Moi, Corinne de la Comta, je suis enfin au paradis. Oh mon Dieu, c'est si beau, c'est si merveilleux, si paradisiaque. Je ne pensais pas pouvoir un jour atteindre le... Dégage de chez moi! Il fait, il mate les gens à travers la serrure et il tombe du ciel. J'ai pas compris le délire. Ah ouais, on est carrément ailleurs. On est même plus au bureau là. On est plus du qu'est-ce qu'on fabrique dans cette boîte? C'est pas normal, c'est qu'il y a des gens morts et il a aucun respect pour les gens décédés. Philippe est un connard. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce que vous faites? Alors, il a nagé. Oh, on va éviter de poser les questions, n'est-ce pas? Je crois qu'il n'est pas toujours bon de savoir. Je comprends rien. On était en train de zioter des gens par une serrure, de mater des nichons, et on se retrouve là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ce mec n'a pas la même couleur sur les jambes que sur la tête? C'est un bronzage inégal. Ouais. Pourquoi le cochon? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. Un parapluie, c'est pour l'utiliser contre le cochon. Ah, il est en train de me frôler avec ses pattes là. Ah non, pas du tout. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Ah si, le parapluie a été absorbé par l'espèce de machine. Donc du coup, on devrait pouvoir... Ouais, c'est ça. On devrait pouvoir faire du bobo. C'était magnifique et j'ai aimé. Ah, c'est un cochon magique en plus là, il passe à travers les murs. La salle de sport, évidemment. Ah bah tiens, c'est toi Audrey. Je te reconnais. Ouais, non, à mon avis, c'est pas du silicone. Margot s'est trompée. Simplement qu'elle a trouvé un autre moyen de se muscler les tétés. Oh mon Dieu, c'est une pelouse que tu as sur ton dos? Non, c'est Mr. T. Le Mr. T. Waouh, je travaille dans la même boîte que Mr. T, les gars. J'ai peut-être pas envie de me suicider, finalement. Mais monsieur, je suis un grand fan de vous. Moi aussi, je fais de la muscu à la perfection. Observez-moi. Ok, j'ai honte. Ne m'observez plus. Une balance. Mon poids idéal. Molle. C'est un petit peu ce que raconte ma balance. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi absolument personne ne me vient en aide dans cette boîte? Aidez-moi! S'il vous plaît, quelqu'un! Aidez-moi! T'emprunte ton briquet, Roger. Quelqu'un! Tu veux m'aider? Voudrais-tu rejoindre ma team de balai... Mais va te faire voir avec ton équipe de merde! J'ai besoin d'assistance! J'ai besoin de soutien! Pourquoi tout le monde s'en balance? Pourquoi? Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, et à vous abonner. Et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.